Souvenez-vous, en 2006, le deuxième volet de la saga Pirates des Caraïbes introduit l'un des antagonistes les plus charismatiques du cinéma, c'est Davy Jones. La qualité de la 3D a été absolument bluffante et le personnage s'intégrait parfaitement dans l'action des scènes. Et son personnage est resté dans l'esprit de tout le monde. Puis, en 2008, Iron Man débarque en salle et nous décolle la rétine avec le réalisme brillant de cette armure futuriste créée par Tony Stark. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Avec des films comme Flash où la 3D frôle le ridicule, ou même chez Hulk ou Ant-Man, pourquoi les effets spéciaux sont plus moches que des films sortis il y a plus de 20 ans? Eh bien, pour plein de raisons. Et voici la première. La préparation joue un rôle essentiel sur la qualité finale des effets visuels. Récemment, on a vu des films comme Dune 2, un film qui a été extrêmement bien réalisé d'un point de vue technique. Sur X, il y a même une personne qui a répondu à cette question de pourquoi Dune était si beau. Même si j'ai déjà répondu à cette question dans ma dernière vidéo qui parle du film, voici ce qu'il a dit. J'ai demandé à un artiste VFX de Dune pourquoi les effets spéciaux sont tellement meilleurs dans ce film que dans d'autres super productions récentes. Et la réponse a été la suivante. La spécificité de la vision. La façon dont les séquences sont capturées et bloquées, les choix créatifs faits sur les ressources dès le début et de manière cohérente. Moins d'ingérence de la part de l'exécutif à la fin du processus. En gros, ils avaient déjà bien tout préparé en amont. La communication entre les équipes était fluide et l'amour de Denis Villeneuve pour l'univers de Dune était si fort qu'il voulait vraiment que son bébé soit bien réalisé. Voilà ce qui l'a poussé à faire les choses bien et bien préparé. Vous savez, mon ami Paul a travaillé sur des films Marvel, à côté de moi, sur ce PC qui est hors champ. Et parfois, je regardais au-dessus de mon épaule, comme ça, et je voyais des plans de Spider-Man No Way Home sans les effets visuels directement bruts du tournage, et je me demandais comment les équipes allaient pouvoir travailler dessus. Ils jetaient des draps verts, comme ça, un peu n'importe comment, les éclairages étaient catastrophiques, et on demandait aux artistes de faire des prouesses pour que le plan soit joli. Alors parfois, on se regardait, on disait, mais comment vont-ils faire? J'avais l'impression que les mecs devaient se dire, ça a marché jusqu'à présent, là, avec vos ordinateurs, donc je pense que ça va le faire aussi. Ça va le faire, tranquille. Et c'est ce laxisme et cette non-collaboration main dans la main avec les artistes qui fait que les artistes galèrent à obtenir un bon résultat. Mais ça, c'est juste une des nombreuses raisons de pourquoi la qualité descend dans les effets visuels. Et la prochaine raison, je vais vous l'expliquer juste après ce petit moment sponsorisé par MSI qui va vous présenter un ordinateur portable de dingue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le MSI Prestige 16 AI Studio. C'est un PC portable avec un design sobre et premium, avec une connectique complète composée notamment de deux ports Thunderbolt 4, offrant un transfert de données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Et vous allez même pouvoir brancher des écrans et des périphériques sur ces ports. Ce PC portable est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9, qui sont les nouveaux processeurs de chez Intel à haute performance. Comme ça, vous allez pouvoir balancer du petit travail sur After Effects, qui lui est très gourmand en processeur. Ce PC est forcément équipé d'une carte graphique Nvidia, c'est la RTX 4060 8Go DDR6, donc ça envoie du lourd. Et bien entendu, c'est un PC Nvidia Studio qui est optimisé pour les logiciels créatifs par exemple, ou même le gaming. C'est hybride. Vous le savez, les PC équipés de Nvidia Studio sont extrêmement polyvalents. Cette carte graphique est donc équipée de la dernière architecture Ada Lovelace, ainsi que la technologie Max-Q, compatible avec le Ray Tracing, Nvidia Reflex et le DLSS 3. Donc parfait si vous faites du gaming, mais aussi de la 3D avec le Ray Tracing par exemple, avec Octane. Avec son châssis en alliage d'aluminium et de magnésium, il est super léger, il ne fait que 1,66 kg. Et il a une batterie de 99,9 watts par heure. Il est aussi équipé de 32Go de RAM en DDR5, et pareil pour After Effects comme ça là, qui vole un petit peu les RAM de partout, c'est idéal. Et il y aura aussi un logiciel appelé MSI AI Engine, qui va vous permettre d'avoir plusieurs scénarios qui vont être optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Que vous soyez en train de jouer, en train de faire du travail artistique, il va pouvoir changer le comportement de l'ordinateur pour optimiser les ressources. Bref, c'est un PC portable génial, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller découvrir les liens qui sont dans la description. Merci beaucoup MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux faire des vidéos pour vous. Alors, si vous êtes créateur, n'hésitez pas à aller découvrir les technologies de chez MSI. Allez, maintenant, retournons à la vidéo. Une autre raison, c'est que le travail sur les effets visuels sont extrêmement dilués dans diverses entreprises autour du globe. Regardons par exemple le générique de Pirates des Caraïbes. Si nous allons à la fin, dans la catégorie des effets spéciaux, voici le nombre d'entreprises qu'il y a. Une seule, ILM. Enfin, il y en a deux autres aussi. Il y a Asylum et The Orphanage, qui leur ont donné un coup de main sur certains aspects, mais très minimes sur la globalité du film. Le gros du travail était réalisé par une seule entreprise. Prenons aussi, par exemple, Avatar par James Cameron. Voici le nombre d'entreprises qui a bossé sur le film. Voici le nom des studios qui ont fait le plus gros du travail. Bon, et maintenant, regardons chez Hulk. Regardons un épisode qui fait, par exemple, 27 minutes. Il y a en tout 12 boîtes d'effets visuels qui ont travaillé sur les effets spéciaux de cette série. Vous voyez pas un truc qui cloche?
cloche là? Comment voulez-vous que les effets visuels soient homogènes et au service de l'histoire quand autant d'entreprises autour du monde reçoivent un plan à faire et ils n'ont aucun contexte de ce qu'il y a avant et après leur séquence? Parce que oui, pour les personnes qui ne savent pas, les artistes comme mon ami Paul qui a travaillé sur Spider-Man reçoivent un plan, ils n'ont presque aucun contexte et on leur dit juste « rajoute un truc ici ». Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. L'histoire, elle se raconte dans les détails et ça marche aussi par le visuel ou même le son. On peut pas juste comme ça demander aux artistes « fais une explosion là ». Fais une explosion. Et pour moi, c'est ça le problème principal de la qualité qui descend dans les effets visuels. On demande à donc normalement des artistes de travailler une image, mais sans en connaître le contexte. C'est pas très artistique, ça non. Ce sont plutôt des techniciens qui appuient sur des boutons pour faire ce que leur superviseur leur dit. Les films comme Pirates des Caraïbes ou même Avatar ou Le Seigneur des Anneaux, eux, ils avaient une armée d'artistes sur une ou voire deux, trois entreprises qui étaient ensemble sur un projet et qui leur tenait à cœur. Tous avançaient vers la même direction, la même vision. Ils savaient où ils allaient parce que cela soit le réalisateur, les superviseurs des équipes, ils savaient exactement où aller parce qu'ils étaient littéralement, physiquement, pas très loin l'un de l'autre. Il y avait une cohérence générale pour le film entier. Ce qui n'est absolument plus le cas pour des films par exemple comme Flash. Flash, allez, voyons combien d'entreprises ont travaillé sur le film. 10 entreprises. Il y a plus de 10 entreprises avec des centaines d'artistes au total. Personnellement, je trouve que c'est l'abus total. Mais alors pourquoi il y a autant de personnes sur des films aujourd'hui? Car ils veulent en faire trop. Et de trop vouloir se reposer sur les artistes effets visuels pour leur choix artistique, ils en ont oublié en quoi les effets visuels sont vraiment pratiques. Regardez Flash. Peut-être au cinéma ça passe bien, mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû télécharger le film en très bonne résolution. Et quand on zoome, je suis désolé de le dire, mais le costume de Flash, ça se voit que c'est de la 3D. Ça se voit qu'ils ont pris l'acteur avec une tenue de motion capture, ils y ont mis la tenue dessus. Et ça se voit, regardez la différence de qualité entre le visage et le costume. Et c'est pas que les artistes effets visuels ont pas bien travaillé sur ce film, c'est juste que pourquoi pas faire un costume directement sur le tournage. C'est du n'importe quoi, ça casse le réalisme du film et ça donne 1000 fois plus de travail aux équipes des effets visuels plutôt que de le faire en pratique avec un vrai costume. Parce que sans cette tenue en full 3D, eh bien au moins les artistes auraient pu travailler sur d'autres aspects du film qui auraient pu être beaucoup mieux réalisés. J'aime les effets spéciaux et les effets visuels, c'est comme ça, je vous en parle sur la chaîne YouTube depuis 2018, mais quand je vois ça, c'est de l'abus, ça sert à rien d'aller aussi loin dans la conception 3D dans un film. Il faut que les outils et les artistes soient bien utilisés pour de bonnes choses, pour pas qu'on se retrouve avec des cinématiques d'une qualité limite PlayStation 1. Et oui, je parle bien de cette séquence dans The Flash. Et le cinéma, c'est comme la magie. Il faut trouver des systèmes D, être ingénieux, trouver des trucs et astuces pour que le spectateur n'y voit que du feu. Et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont découvert la 3D, les producteurs de films se disent let's go, on fait tout en 3D. C'est comme si un enfant avait un nouveau jouet et qu'il n'arrivait plus à s'en défaire. Alors que ça fait quand même plus de 50 ans que ça existe maintenant. Hein. Je pense personnellement qu'on a besoin de retrouver un équilibre entre la 3D et les effets spéciaux pratiques. Et pas juste boycotter les effets visuels pour la promotion d'un film comme on a pu le voir avec Ridley Scott pour Napoléon où il y avait limite un cachet. Pas d'effets spéciaux utilisés. Mais c'est pas ça qui va dire que ton film est bien, monsieur Scott. Parce que quand on regarde les making-of du film, est-ce que cette séquence, c'est pas la séquence la plus effet visuelle de l'histoire des effets visuels? Je pense que oui. Bon, alors cette carte de No VFX Used, pour faire genre que la qualité du film sera forcément meilleure que d'habitude, eh bien, c'est de la merde. Les mecs sont responsables de la qualité médiocre des effets visuels et de la saturation des artistes qui ne peuvent plus travailler correctement. Et en plus, ils osent dire pour leur nouveau film qu'ils n'ont pas utilisé les effets visuels parce que les effets visuels, c'est moche. Est-ce qu'ils se foutraient pas un petit peu de la gueule des artistes là? Je sais pas. Et le dernier problème, et pas des moindres, c'est nous. Vous, combien de fois j'ai critiqué Marvel sur cette chaîne YouTube, sur leur façon de faire, sur leur qualité globale de film? Et en général, vous êtes d'accord, mais il y en a aussi beaucoup qui me disent « Mais MDR, on s'en fout des artistes ou de la qualité. Marvel, c'est des films de divertissement. On les prend comme ils nous les donnent. » Alors oui, je suis désolé s'il y a des viewers actuellement qui pensent comme ça, mais un des plus gros problèmes, c'est vous. Accepter la médiocrité qu'on vous vend et qui a coûté plus de centaines de millions de dollars, alors que les films sont des bouses, eh bien vous faites partie du problème. Voilà pourquoi je critique autant Marvel dans mes vidéos. Ils sont en grande partie responsables de ce qui se passe au cinéma aujourd'hui. Leurs films ont des besoins énormes en effets visuels et donc ils prennent toute la main d'œuvre parce qu'ils ont énormément d'argent, ce qui du coup fait une saturation du marché des effets visuels parce que Marvel, eh bien, emploie énormément de monde. Et c'est avec des lueurs d'espoir comme Dune ou The Creator qu'il y a de l'espoir à raconter une histoire intéressante avec un budget pas si énorme mais des effets spéciaux incroyables. Car les choses sont préparées, réfléchies et surtout faites avec le cœur.
Et c'est aussi avec cette façon de penser là que les IA vont de plus en plus arriver dans le marché du travail. Car ça gueule sur internet qu'il ne faut pas utiliser les IA, mais la façon dont on consomme tous ces choses là nous pousse vers cette voie là. Et même à mon échelle, je le vois avec ma chaîne YouTube, les gens sont beaucoup moins intéressés sur comment on fait les choses, mais plutôt en recherche d'un résultat final et peu importe de la manière dont on va y arriver. Et donc du moment où les spectateurs se font de plus en plus endormir, eh bien de plus en plus vont plus se fouler et privilégier le rendement plutôt que la beauté de la façon de faire les choses. C'est une conclusion horrible, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ma vision des choses lorsque je regarde l'évolution de ce milieu-là qui est le cinéma et l'art en général. Et j'espère que j'ai tort. Le cinéma, c'est la beauté de comment on fait le film. Les artistes qui passent du temps ensemble vers une même vision pour nous fournir un film qu'on ne va pas oublier. Les meilleurs films sont ceux qui sont créés par des passionnés, animés par l'envie de raconter de véritables histoires en utilisant intelligemment les outils qu'ils ont sous la main. Limitant DIY, et nous devons collectivement donner de la force à ce processus créatif là, et pas donner de la force à ceux qui vous endorment en vous donnant des films médiocres qui ont coûté des centaines de millions d'euros et on sait même pas où ils sont passés, nom de Dieu. Alors pourquoi les effets spéciaux sont moins bons maintenant? Car on a oublié que moins, eh bien c'est souvent mieux, et que le vrai talent, c'est de faire croire avec peu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est un problème qui ne va pas toucher que le cinéma, mais dans toutes les choses que les humains vont créer de leurs mains. Alors n'hésitez pas, débattons-en dans les commentaires. Merci beaucoup MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les liens qui sont dans la description. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.